Ozali Kolanda. Je veux bâtir. Nakotonga. Une maison. Ndakomoko. Il était lui-même. Azala ki ye moko. Une maison créée par Dieu. Bako ekela mina nzambe. Il est venu de David. Aouti na Dawidi. Le il est venu de Marie. Aouti na Marie. Dans Luc au chapitre 1. Na Luka moka kwa liboso. Je bâtirai mon église. Nakotonga ekklesia na ngai. Et l'église, c'est quoi? L'église, ezali nini? C'est la nouvelle Jérusalem. Ezali Jérusalem ayasika. Luc au chapitre 1. Luka mokapo ya liboso. Voici, tu deviendras enceinte, verset 31. Na eteni ya tukumisato na mokotala okokumba zemi. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Moi, j'ai Gabriel à Tinamaki na Nzambe na Nguma moko na Nazareth. Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Et pas ina moseka moko bandamaki na mobali moko ya ndako na Dawidi. Nommé Joseph, le nom de la vierge était Marie. Combo ya mobali ngwe zaki Joseph pe combo ya moseka ngwe zaki Marie. Comme je vous ai dit que Marie et Joseph. Loko na msa kibino était Marie na Joseph. Hein, ils viennent tous. Bangonyo somi bale bauti. Hein, ils viennent tous des entrailles de David. Bangonyo somi bale bauti kati na Dawidi. Parce que c'est la promesse que Dieu avait faite à David. Kwete zalie la ka onzamba pesa ki Dawidi. Ah, David. Dawidi avec Bathsheba. Na Bathsheba. Bathsheba, il a eu. Babotaki. David a eu plusieurs femmes. Dawidi azalaki na basi mingi. Mais Dieu n'en a pas fait cas. Kasinzambe atalaki likambo na bango te. Ah, ça ne l'intéressait pas. Wana esepelisa nzambe te. Mais avec Bathsheba. Kasina Bathsheba. Il a eu à peu près trois filles. Abotaki bana basi misato. Avec deux garçons. Na bana mbali mibale. Nathan. Nathan. Hein? Il a eu Absalom. Abotaki Absalom. Absalom, c'est un enfant qu'il a eu avec une autre femme. Absalom, azaki mo na Dawidi na mwasi mosusu. Mais regardez ce qu'Absalom lui a fait. Kasi botalo Absalom asala ki ye. Aujourd'hui, Dieu aussi, il a beaucoup de femmes. Lelo nzambe pasa na basi ebele. Il a beaucoup de femmes. Azana basi ebele. Hein? Beaucoup de femmes ici à gauche, à droite. La Bible dit, sept femmes viendront. Nous voulons qu'il place son nom. Nous mangeons notre propre pain. Nous allons nous habiller avec notre propre argent. Mais ce que nous voulons, c'est simplement avoir son nom. Les prostituées. Mais il y a une femme. Cet enfant Absalom. Regardez ce qu'il a fait. Regardez aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes. Mais les enfants qui naissent de ces églises regardez ce qu'ils font à la parole. C'est pourquoi soyez des bons enfants. Hein? Ayez des bons enfants qui vont, hein, soyez vous-même des bons enfants. Il y a eu Nathan. Il y a eu Salomon. Père Salomon. Et Salomon. Père Salomon. À cause de ce qu'il a fait. Natina na oya salaki. Hein, il a amené l'idolâtrie. Amema kilo sambo na bikeko. Dieu, il est toujours juste. Nzambe azalatango nyoso sembo. L'enfant. Mwana, Salomon, c'est lui qui a donné le nom. Yende apesa ki ekombo wana. Il a dit à David, Dawidi, tu vas avoir un enfant, son nom sera Okobota, Salomon. Mwana na Bathsheba kombo na ekozala Salomon. Ah. C'est Dieu qui a donné le nom. Nzambe ne mtapesa ekombo wana. Regardez après ce que l'enfant kasi bota la sima, qui est venu du prophète David. Mwana oya uti na mosakoli Dawidi. Après ça, sima na yango, il a amené l'idolâtrie. Amema kilo sambo na bikeko. Est-ce que vous suivez? Bozali kolanda. Non, ici Salomon. Na boy awa Salomona. Hein, il a fait des bêtises. Asala ki makoma be.
Ah, mais comme Dieu l'avait promis, si tes fils font du mal, je vais les châtier. Mais je ne retirerai pas ma grâce. Dieu va châtier Salomon. Encore de ce que tu as fait. C'est moi qui a donné le nom. Tu as mal agi. Tu as mené l'idolâtrie. Tu as mené la division. Tu as mené beaucoup de problèmes. Même si tu es l'enfant de Salomon. Division. Kokabwana. Et Joseph est venu de là. Auti nabakitani ya Salomon. Comme il a mal agi. Lokola ya salaki makamabe. Dieu dit non. Nzambalobite. La promesse que Dieu donna à David qui devait aller vers toi. Et la konga na pesa ki na Dawid esengana iko kende pai na yo. Je retire ça. Na longoli yango, na botoli yango. Mais je ne donnerai pas ça à une autre maison. Kasi na ko pesa yango na ndako mosusu te. Je veux garder ça dans la maison de David. Na ko bomba yango to na ko tika yango kaka na ndako na Dawidi. À un autre enfant. Na mwana mosusu. Qui va se comporter correctement. Oyo akozala na tamboli malamu. C'est Nathan. Ezali Nathan. Et de Nathan. Pe uta na Nathan. Marie est venue. Marie a uta kikuna. Et Jésus n'est pas venu par Salomon. Ayaki nzela Salomon até. Ce n'est pas Joseph. Ezali Joseph té. Qui est allé engrosser Marie? Né akene kokumbisa Marie semi. Mais non. Kasi. Mais c'est Dieu. Kasi ezali Nzambe. Qui crée. Oya keli. Dans le sein de Marie. Kati na libumu na Marie. Un temple. Tempelo moko. Une maison. Ndako moko. Un corps. Zoto moko. Et Marie. Marie va porter ce temple là. 9 mois plus tard, il va mettre au monde Akobota ce temple là. Tempelowana. Et à l'âge de 30 ans, Elohim lui, il va descendre Akokita pour habiter Akovanda dans ce temple là. Na tempelowana. Une portion de la terre. Et ya mabele. Branham dit. Branham alobi. C'est par ma parole que j'ai créé le monde entier. Satan l'a détenu durant tout ce temps. Satan a kamata ki angona tango nyoso. Mais je suis venu racheter la terre. Kosikola mokili. Et qu'est-ce que je fais? Une partie de la terre a fait son corps. Et et je viens maintenant y habiter. Benazali koya sikawa kovanda na nzoto yango. Jésus était une partie de cette terre. Yesu azalaki eteni ya mabele wana. Et regardez. Kebotala. Elohim vient. Elohim aye. Il habite là. Avandi na kati na nzoto wana. La terre qui ne vient pas de la terre. Mabele yango euti na mabele oboete. Mais la terre. Kasi mabele. Qui vient de la parole. Oye euti na liloba. Et un jour. Pe mokolo moko. Pour racheter cette terre. Pona kosiko na mabele. Le sang Makila est sorti de ses corps. Et bima kina nzoto wana est composé avec la chimie. Yango et salami na bina maloko makila nyoso. Le sang Makila a touché la terre. Et simba ki mabele oyo. Et depuis que ce sang a touché la terre, Makila yango etanga na mabele oyo. Le sang s'est promené par Makila ezali kotambola bipai biso. Depuis Jérusalem. Outa Jérusalem. Partout. Bipai biso. Partout. Bipai biso. Partout. Bipai biso. C'est pourquoi dans les millénaires. Yangwana kati na mokonzi ya mibuko. Branham dit. Dieu ne va pas détruire toute la terre. Zambe akoboma mokili mobimba te. Parce que cette terre a été déjà sanctifiée par le sang de Jésus-Christ. Fwete mabele oyo ese bulu sema kina makila na Yesu Kristo. La terre a été déjà rachetée. Mabele se sikola maki. Par le sang de Jésus-Christ. Nzela na makila na Yesu Kristo. Et l'esprit de Jésus. Fwe molimo na Yesu. Il vient habiter dans les hommes. Azali koya kovanda kati na bato. Est-ce que vous me suivez? Ozali kona nangai. Le fils de David. Mwana na Dawidi. Jésus-Christ. Yesu.
Jésus-Christ. Je te créerai une maison. Na kokele la yondako. Et Dieu. Penzambe. A créé. Akelaki. Un corps. Zoto moko. C'est le Seigneur Jésus. Ezali kolo Yesu. Il marchait sur la terre. Azale kotambola na mokili. Il devait être comme vous. Asengele koza lokola bino. Quand il est mort. Dango akufaki. Il est entré dans la terre. Akota ekati na mabele oboye. C'était la terre. Ezalaki mabele. Mais ce n'est pas la même terre. Kasi ezali mabele mokote. Ça c'était la terre du péché. Oye ezalaki mabele ya masumu. Ça c'était la terre. Oye ezalaki mabele. Sainte. Oye ya boule. Pour racheter la terre. Bona kosiko na mabele oboye. Il fallait un homme pour racheter l'homme. Esengelaki moto moko pona kosiko la moto. Il fallait la terre pour racheter la terre. Esengelaki mabele pona kosiko la mabele. Est-ce que vous me suivez? Ozali kola na ngai. C'était le temple de Dieu. Ezalaki tempelo na Nzambe. Il a habité sur la terre. Avandaki kati na mokili. Mais comme il avait promis à David. Kasi lokwa yala kaki na Dawidi. Il va me c'est lui là qui va me bâtir. Yende akotongela ngai ndako. Jésus. Yesu. Il va dire. Akoloba. Sur ces rocs. Likolo na libanga oyo. Ceux qui ont la révélation. Oyo bazali ne moniseli. Ceux qui ont la révélation de qui est le fils de l'homme. Oyo bazali ne moniseli ya mwana na sur ces rocs, likolo na libanga oyo, comme Jacob, lokola Jacob, Jacob s'était endormi, Jacob alalaki sur un rocher, likolo atiaki moto likolo na libanga, et il s'est retrouvé que pendant la nuit, pe amonaki ete na kati na butu, il a vu sur cet endroit, amonaki na sika yango, des anges qui montaient, ange bazalaki kobuta, et qui descendaient, pe bazalaki kokita, et au bout là-bas, pe na songe kuna. C'était le fils de l'homme. Et Zalaki moi na motonda Zalaki wana. Et Jacob quand il s'est levé. Petango Jacob à la muki. Il a dit mais cet endroit est redoutable. Alobi esiko ezali akoka moi. Cet endroit s'appelait Luz. Esika ngo bazali kobenga ngo kala Luza. Mais David Jacob dit. Kasi Jacob alobi. À partir d'aujourd'hui. Kasi kobanda lelo. Il a pris les rochers. Akamati libanga. Sur lesquels il s'était endormi. Likolo na ngo alalaki. Il a pris ces rochers. Akamati libanga. Il a oint d'huile. Apakoli yango na mafuta. Quand il a oint d'huile. Kama apakoli yango na mafuta. Il a dit que cet endroit. Alobi sika oyo. Ça s'appellera. Kama nango ekozala. Bethel. Bethel. C'est ici. Ezali awa. La maison de Dieu. Ndako na Nzambe. Là où il y avait le rocher. Et pas il y bange zalaki. C'est devenu la maison de Dieu. Et comme Akinda Konanzambe. C'est qu'il y a la révélation. Baye bazali ne moniseli. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Bozali kokoma na kolanda ngai. Aujourd'hui, il y a une maison. Lelo yonda komoko ezali. Des gens qui vont former la maison de Dieu. Bakosala na Konanzambe. Qui vont former la nouvelle Jérusalem. Oyo bakosala Yerusalem ya sika. C'est ce que Dieu avait promis à David. Yango nde Nzambe alakaki na Dawidi. Alors lisons maintenant dans le Dieu caché révélé dans la simplicité. Paragraphe 76. Donc David n'a pas eu la permission de bâtir le temple. Il n'a pas pu le faire. Il a dit, alobaki, je te susciterai une postérité. C'est celui qui bâtira le temple. Yende akotonga tempelo. Et ce temple sera un temple perpétuel. Le tempelo ne goza tempelo a libela na libela. Ton fils, le fils de David. Mwana yo mwana Dawidi. Ce sera sur un royaume perpétuel. Et goza la bokonzo a libela na libela. Salomon, le fils de David. Salomon mwana Dawidi. Selon la chair. C'est lui qui l'a engendré physiquement. Yende oya bota ki penza na lisanga na mwasi na ye. A construit une maison pour le Seigneur. Atonga kinda komoko pona nkolo. Un temple. Tempelo. Mais ce temple a été détruit. Kasi tempelo ne bomama ki. Hein, ça a été détruit. Yango bomama ki. Mais quand la vraie postérité de David. Kasi tango mokitani ya solo solo ya Dawidi. Est arrivé. Ayaki. Le fils de David. Mwana na Dawidi. Il leur a dit Aloba ki na bango ete, qu'il y viendrait un temps ete tango moko ekoya, où il ne resterait plus pierre sur pierre de ce temple. Et pa yuapi, libanga moko te kotika likolo na libanga mosusu na tempelo yo. Ce temple que vous voyez, tempelo bozali komona, ça va être détruit.
Ekobo mama. Vous placez votre gloire ici, ça va être. Botien ke mona bino ayango ekobo mama. Aussi a-t-il essayé d'attirer leur attention sur un autre temple. Naboye, ameka ki kobenda bokebi na bango na tempelo mosusu. Un autre temple. Tempelo mosusu. Jésus leur dira. Yesu akoloba na bango ete. Détruisez ce temple. Bobo ma tempelo yo. Je veux le reconstruire. Na kotonga ango lisusu. Je veux le rebâtir. Na kotonga ango lisusu. Dans trois jours. Simana mikomi sato. Détruisez, je vais le reconstruire. Bobo ma ango ngai na kotonga ango lisusu. Parce que je suis le créateur. Kwete na zali mokeli. Je suis moi-même Dieu. Nazalinga imoko nzambe. Je suis le créateur. Nazali mokeli. Je suis la création et le créateur. Nazali ekela mupe mokeli. Je blesse et je guéris. Nazoki sarapena bikisaka. Je rends malade, je tue et puis je ressuscite. Nazali kopesa bokono na bomi pe na sekwisi. Je suis le créateur. Nazali mokeli. Je suis souverain. Nazali na bokonzi na ngai moko. Est-ce que vous me suivez? Kozali kola na ngai. Détruisez ce temple. Bobo ma tempelo oyo. Je vais le reconstruire. Na kotonga ngo lisusu. Mais ce temple ici. Kasi tempelo oboye. Il ne restera pas plus pierre sur pierre. Likolo na ngo libanga moko te kotika likolo na mosusu. Jean le révélateur. Yohani momonisi. Dans le livre de l'Apocalypse. Kati na mokana ne moniseli. Il a vu ce tabernacle. Amona ki tempelo wana. Apocalypse 21. Et moni seli mo kapatuku me na moko. Je vais bâtir une église. Na kotonga ecclesia moko. Je bâtirai une maison. Na kotonga ndako moko. Apocalypse 21. Et moni seli mo kapatuku me na moko. Il a vu le nouveau temple descendre d'ici. Amona etempelo ya sika okita uta na lola. Paré comme une épouse. Oyo elati sami ebongi sami lokwa mwasi na libala. Qui s'est paré pour son épouse. Oya milati si pona mobali na ye. Et une voix qui sortait du temple. Pe mongongo moko kobima na tempelo. Disait. Ezala ikolobete. Voici le tabernacle de Dieu et avec les hommes. Tala efanelo na nzambe elongo na bato. Et Dieu sera avec eux. Benzambe akozale longo na bango. Ils essuieront toutes larmes de leurs yeux. Akolongo la pinso linyoso na miso na bango. Il n'y aura plus ni deuil ni famine. Matange kozala te nzala pe kozala te. Car les premières choses ont disparu. Zambi makambo ya liboso esebungi. Alors, Naboye, le véritable fils de David. Mwana na Dawidi ya solo solo. Comme on va le voir dans les enseignements de cette semaine. Ndenge tokomona ngo kati na malakisi ya poso oyo. Le véritable fils de David. Mwana Dawidi ya solo solo. Entrera alors dans son temple. Akokota bongo kati na tempelo na ye. Le temple de Dieu. Tempelo na nzambe. Le vrai tabernacle. Efanelo ya solo solo. Qu'il est maintenant parti construire. Oyo akei sika wa kotonga. Hein? Nous allons voir. Tokomona. Le fils de David comment? Mwana David ndenge nini? Il va maintenant entrer dans le temple, tabernacle. Parce qu'il a dit. Akokota katina tempelo ne fan de l'opoeta lobaki. En effet, il a dit dans Jean 14. Naboya lobaye na yoane mokapaso mina mine. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Bifan de l'oe zali mingi katina ndako na tata na ngai. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Alinga ki kolobanini na yango. Si on peut m'apporter la rédemption par là. La communion par la rédemption. Si on va terminer. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Je m'en vais vous préparer une place. Quand Jésus était là, il a d'abord dit, sur ces rocs, je bâtirai mon église. Na kotonga ecclesia na ngai. Et les portes de l'enfer. Baby kuke na lifelo. Ne vaincront jamais ça. E kolonga yango ata mokete. Mon église ici. Ecclesia na ngai yo. Même l'enfer.
fait ne détruira pas cette église. Et comme mon église été. Les autres temples ça a été détruit. L'arche, les Philistins ont pris l'arche, ils sont allés avec. Les temples ça a été détruit par les Babyloniens, par les Romains. Mais David, c'est lui qui sortira de tes entrailles. C'est lui qui va me bâtir une maison. Et cette maison sera une maison pour toujours. Branham a dit, j'irai vous préparer une place. Je construirai, je vais bâtir une maison. À la fin de, la, de sa vie, il dit, ne vous inquiétez pas. Oh Seigneur, tu commences à partir. Comment nous allons rester? Ne vous en faites pas. Je m'en vais vous préparer une place. Je m'en vais vous préparer une maison. Je m'en vais vous préparer un tabernacle. Quand je l'aurai préparé, et que ce sera terminé, quand j'aurai terminé de faire le travail, je reviendrai pour vous prendre. Pour vous placer dans ce temple-là. Branham continue. Je reviendrai pour vous prendre avec moi. Et bien sûr, nous savons que ce sera dans l'âge glorieux. Alors, la véritable postérité de David montera sur le trône. C'est-à-dire, Jésus-Christ. Là, wana, il régnera à cause d'un abokondi sur l'église, l'icolona ecclesia, son épouse, voici na libala qui sera dans la maison avec lui. Oye cause d'un andako elongona ye et sur les 12 tribus d'Israël. Quand l'icolona mabote son minami balay à Israël. Est-ce que vous me suivez? Ozali kona nangai. Jésus Christ. Yesu Christo. Hein, il va régner sur l'église, son épouse, et sur les 12 tribus d'Israël. Dans le millénium, il est parti nous préparer une maison. Nous préparer une place. Et aujourd'hui, il est revenu. Il n'est pas revenu pour que vous puissiez sauter. Non. Il est revenu avec ce tabernacle-là. Il est revenu avec ces maisons-là. Lui-même en tant que maison. D'où vient-il? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Marie va recevoir un ange, un messager, Gabriel. Il vient là. Marie, tu as reçu la grâce. La promesse va s'accomplir. Marie dit, Maria Lobi, je suis la servante du Seigneur. Basali mosali qu'il me soit fait selon ta parole. Marie a reçu la parole. Marie a reçu la parole. Maria yambaki liloba apporté par un ange. Oye mwanja yaki nango. Mais quand elle a reçu la parole, kasi tango ya yambaki liloba à l'intérieur, na kati na ye la parole liloba s'a transformé. Ebongwa maki c'est devenu ekomaki un temple. Efanelo moko pendant un temps, on ne voyait pas ces temples. On ne comprenait rien. C'était à l'intérieur d'une femme, née par le sexe.
Mais dans le péché, est-ce que vous me suivez? Une femme née dans le péché, elle a cru la parole, et à l'intérieur, cette parole était en train de changer. Et un jour, quand Tango, le temps est arrivé, Tango et Koki, cette femme yango, a libéré abimisi, le temple. Yango. Et Dieu est venu habiter Benzamba dans le temple. Il est venu aye, avec vos corps, na banzoto na bino, avec vos théophanies, na ba théophanie na bino, avec la parole. Na liloba. Quand vous recevez la parole, à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui commence en vous. Le même Dieu qui a créé les écureuils là où il n'y avait rien, le même Dieu va créer en vous un corps. Vous ne voyez pas ça. Marie ne voyait Marie pas ça. Mais elle sentait ça à l'intérieur. Bientôt, ce corps va libérer. Et quelque chose va sortir. À l'intérieur de vous, quelque chose se passe. Et là, comment je m'en vais vous préparer. Oh, quelle chose glorieuse. Il me bâtira une maison. C'est pourquoi Branham a prêché les choses qui doivent être. Il dit, vous ne savez pas qu'il y a quelque chose en vous. Une nouvelle maison. Ça, c'est une maison pestiférée. C'est une maison qui vous fait souffrir. Mais à l'intérieur de vous, il y a un corps. Si ça ne vous fait rien, il n'y a rien là-dedans. Mais si ça vous bouge un peu, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Vous voyez, quand il y a ce que vous pleurez, quand vous commettez une faute, vous ne pleurez même pas. Hein, quand vous faites une faute, vous ne pleurez pas. Quand vous n'aviez pas lu la brochure, ça ne vous fait rien. Quand vous n'êtes pas venu à l'église, ça ne vous dit rien. Mais quand vous êtes malade, je vais mourir. Quoi? Nini? Koufa? Mourir? Mourir? Koufa? Koufa? Branham dit que c'est la porte. C'est la porte. Branham a lobby Ezali et Kouke. Koufa Ezali et Kouke. Bientôt vous allez dire eh, ceux qui sont partis, vraiment, ils sont bénis. Votre frère est malade. Oh Dieu. Oh Nzambe. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le grand médecin. Nous croyons. Tondimi. Tu es capable. Tu es le guéri. Il est capable de le guérir. S'il est guéri. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Il n'est pas guéri. Abiki Samite. Il s'en va. Akei. Alléluia. Alléluia. Notre frère est parti. Ndeko nabiso akei. Vous pleurez. Bozali kolela. Pendant que vos propres péchés, vous ne pleurez même pas comme ça. Natango pona masumu na bino mobolela kata bongote. Il s'en va, il s'en va. Akei, akei.
Quand le voyage naturel vous le prenez, il est allé à Moscou. Tango na mobembo ya mokilio boyoki akeyi na Moscou. Il n'y a même pas d'église là-bas. Kuna lo sambo ezalaka kutu te. Notre frère est parti. Même les frères, les papas, oh Seigneur. Oh Kolo. Merci hein. Matondi. Un endroit il n'y a pas la parole. Et pas yopi na mboka moko pa yopi lo bezali te. Mais vous voyez comment la famille entière. Merci. On a voilà, libota mon mama ça ko bina ko sepela. Mais quand votre frère il s'en va dans la gloire. Kasi tango ndeko na yo akeina nkembo. Vraiment cette église Dieu n'est pas là. Non, ça mon pendant nkembo sala na ikuna te. Ah, alors c'est le combat spirituel. Tokende na bitumba molimo. Il me dit d'aller dans le combat spirituel et dit allez-y envoyez votre frère en enfer. Allez. Na lobi oyebi singa to kende na bitumba moli mona bokende tinda ndeko na ona lifelo bokende. Branham dit. Branham lobi. La communion par la rédemption. Boyokani kati na lisiko. Il dit ceci. Azali koloba boye. Frère Branham dit. Ndeko Branham lobi. Je vais être un peu différent ce matin. Na koloba motindo ekese na tongo na lelo. Je vais me déchaîner concernant certaines choses de ma propre théologie. Na kobimisa makomo susu etali penza lolenge nanga komona makambo. Des choses dont je n'ai jamais parlé auparavant dans cette église. Makambo na naloba liboso te kati na losambo yo. Mais je pense que ça pourra vous être profitable. Kasi na kanisi te yango kosunga bino. Je n'ai jamais cru. Na no na ndima ta mokete. Que le ciel était un endroit où il y a un tas de bâtiments. Et te lola ezali siko batonga ba. Il y a des maisons dont les murs sont tapissés, dont les murs sont peints. Non, laissez, ce n'est pas ça. Je n'ai jamais cru qu'un être surnaturel devait habiter dans une maison littérale. Non. Mais je crois que quand Jésus parlait dans Jean 14, que dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Il voulait dire un corps, un lieu d'habitation. Esika et Fandelo. Car les Écritures confirment la même chose. Disant que si cette tente terrestre est détruite, nous en avons une qui attend. Où? Wapi? Au ciel. Na lola. Le ciel c'est quoi? Lola ezali nini? Le ciel c'est la parole. Lola ezali liloba. Le ciel c'est le trône de Dieu. Lola ezali kiti na bokonzi na Nzambe. Le ciel ce n'est pas là-bas. Lola ezali kuna likolo kuna te. Le ciel c'est la parole. Lola ezali liloba. Le ciel est en vous. Lola ezali kati na bino. Parce que Dieu est en vous. Kwete Nzambe ezali kati na bino. Branham dit. Branham alobi. Les êtres mortels sont les seuls à vivre dans des maisons et habitations mortelles. Bizali ekufaka. Bangonde bavanda na bandako ekufaka. Ainsi le lieu dans lequel on va. Naboy, esiko biso tozali kokende. En attendant de revenir. Na kozele te tozonga. N'est pas un lieu fait de briques. Ezali esika te tongami na mabiliki. Ni de pierres précieuses. Tona mabanga na motuya. Non. Te. C'est un état. Ezali lolenge moko ya kozala. Une condition. Lo motino moko boye. Nous sortons de cette dimension où nous vivons. Tozali kobima katina mosanda o tozali kobika katina yango. Pour rentrer dans une autre dimension. Bona kokota katina mosanda mosusu. Et c'est une maison. Ezali ndako. Un tabernacle. Efandelo. Une demeure. Efandelo moko. Une dimension. Mosanda moko. Jésus a dit détruisez ce temple et je le révélerai en trois jours. Il est allé préparer une place pour
pour chaque croyant. Pour qu'au moment où nous sortirons de ces régions mortelles, nous n'entrions pas dans quelque chose de mystique ou dans un esprit surnaturel, mais nous entrions dans un tabernacle, une demeure. Et Branham a dit, cela pourrait être ici même dans ce bâtiment. Ici dans ce bâtiment, ça se trouve là. C'est préparé par Dieu. Ça s'est préparé par votre père. Oyo tata na yo nda bongisa yango. Ça c'est votre mère. Oyo ezali mama na yo. Dieu n'habite pas ça. Zamba vanda kawana te. Dieu ne veut pas de ça. Zamba lingi yango te. Mais lui-même. Kasi ye moko. Il est allé nous préparer. Akei komongisa na biso. Et il est revenu. Pe azongi. Avec ce corps-là. Nzoto yango. Ça se trouve en vous. Ezali kasi na bino. Quand Branham est parti de l'autre côté, il était sur le lit. Il était sur le lit. Tout d'un coup, il s'est vu de l'autre côté. Dans un corps. Embrassant les frères. D'où est venu ce corps-là? C'était venu où? Et où t'as qui wapi? Hein? Hein? Il est allé d'abord quelque part, il a trouvé beaucoup de corps là-bas. Je prends ça. Abi, na kamata oyo boy. D'où ça venait? Et où t'as qui wapi? C'était où? Ezala ki wapi? C'était à l'intérieur. Ezala ki na kati na ye. C'était la parole. Ezala ki liloba. À l'intérieur. Na kati. Tout d'un coup. Ma poisa. La parole. Liloba. C'est matérialisé. Et comme une zoto. Pendant qu'il était dans un autre temple là-bas, Nathan Wazaye kati na temple mosusukuna. Il regarde là-bas. Atali kuna na sima. Il voit son corps. Amoni nzoto na ye emitandi na mbeto. Il dit, mais je ne veux pas rentrer là-bas. Abina lingi kozonga kuna te. J'aimerais rester même ici. Na kosepela na tikalata awa. Dieu lui dit non. Nzamba lobi na ye te. Tu as encore un grand travail. Ozana na mosala moko monene. Rentre. Zonga. Sur cette terre. Na mokilio yo. Le seul moyen de travailler. Zelo bele moko ya kosala. C'est dans ces vieux corps. Ezali kati na nzoto ya kalakala. Retourne là-bas. Zonga kuna na kati. Branham me dit en un instant. Branham lobi. Il s'est vu sur le lit. Ce changement-là, ce changement de dimension, d'une dimension à une autre, c'est la parole en vous qui l'a fait. C'est ce message qui doit faire ça. Est-ce que vous me suivez? C'est le message qui doit faire ça. Et c'est pourquoi frère Branham dit, hein, ce corps-là, c'est là que nous allons. Parce que quand ça se trouve là quelque part, Dieu avait promis ça à David. Hein, nous, le ciel là-bas, dans le millénium, ce ne sera plus ce vieux corps. Ce sera la nouvelle Jérusalem. Et la nouvelle Jérusalem. C'est l'épouse. C'est le temple de Dieu. Dieu en vous. Branham dit. Je termine dans Hébreux chapitre 10. Il dit. Dieu avait dit. Ou Abraham. To Abraham. Il était là au verset 10. C'est par la foi qu'Abraham lors de sa vocation. Obéit à
Il est parti pour un lieu qu'il devait en recevoir en héritage. Qu'il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise. Comme dans une terre étrangère. Habitant sous des tentes. Sous des tentes. Ainsi qu'Isaac, Jacob, les co-héritiers de la mère promise. Isaac na Jacob basangolia elaka moko wana Zambi il attendait azalaki kosela la cité engumba qui a des solides fondements. Oyo miboko nango ezali ya makasi celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Oyo nzambe yemoko azali moyemi nango pe motongi na yango. Même Abraham. Ata Abraham. Même s'il est allé en Canaan. Ata soya kenena na Kanana. Même s'il a vu ça. Ata soya mona nyoso wa. Mais Abraham n'était pas satisfait. Kasi Abraham sepela na yango te. Abraham n'était pas satisfait. Abraham sepela na yango te. Il dit mais un jour. Alomi kasi mokolo moko. J'ai quitté ces pays. Na kolongo na mboko yo. Alors je veux me réjouir encore. Na boya ko sepela na nini. Dieu, je veux me réjouir après et puis Zambé, c'est fini. Na ko sepela awa esili pesi ma esili. Non, Dieu lui dit Abraham. Zamba lo bena Abraham. Ne t'en fais pas. Komi tungisa te. J'ai une ville. Nasana ngumba moko. J'ai un pays. Nasana mboka moko. Une ville. Ngumba moko. Non, moi-même. Et pas yo pingai moko. J'ai conçu. Na kanisi na yemi yango. Et moi-même je vais construire. Pingai moko na kotonga yango. Un corps. Nzoto moko. Une épouse. Moi aussi na libala. Il attendait des solutions. Branham, la Bible dit, Bible, au verset 14, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus saluer, reconnaissant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre. Ceux qui parlaient ainsi, montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue. S'ils avaient en vue. S'ils étaient satisfaits. D'où ils étaient sortis. Ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant. Ils en désirent une meilleure. C'est-à-dire. Une céleste. Oyo yalikolo. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Car il leur a préparé une cité. Même Abraham, Abraham n'était pas satisfait de ce pays terrestre. Il attendait une ville, une cité que Dieu lui-même va créer un corps, une habitation dans lequel vous n'allez plus souffrir, vous n'allez plus pleurer, vous n'aurez plus la maladie. Et ce corps-là, il est déjà allé le préparer. Il est revenu pour mettre ce corps-là en vous maintenant. Pour que ça apparaisse, ça va descendre visiblement dans le millénium. D'abord, on partira au ciel hein, pour le début de la lune de miel. On va monter au ciel dès que nous quittons ce corps. Quelque chose de glorieux va sortir. C'est ce que Abraham attendait. C'est ce que David attendait. Ils attendaient cette cité. Si eux, ils avaient cette cité. Je ne sais pas vous qui êtes très proche. Qu'est-ce que vous sentez? Oh là là.
là. Dans le message, il a soif. Frère Branham dit, ce matin, je voulais sortir en l'air. Frère Branham dit, paragraphe 145. David avait soif. David a qu'une mon âme a soif de toi. Comme il dit, biche soupir. Mon âme a soif. Il était là. L'onction était sur lui. Il savait qu'il allait être roi. Il avait des gens des nations. Sa propre ville qu'il aimait a été encerclée par les Philistins. Et David, en cette journée chaude, David, c'est là qu'il a écrit. Comme il biche soupir après un coup. Bethléem était enfermé par les Philistins. Il a regardé la ville où le Messie allait naître. Il a dit, oh, qui me donnera l'eau de Bethléem? Qui me donnera l'eau? Oh, j'ai soif! Parce que d'ici, il y aura une source. Il y a une source qui sortira de Bethléem. Qui me donnera l'eau de Bethléem? Il avait quelques serviteurs. Le moindre de ses désirs était pour un ordre. Et trois d'entre eux se sont battus. Ils ont compris. Oh, notre roi, il a besoin de l'eau de Bethléem. Allons. S'il faut mourir, nous devons mourir pour lui apporter secours. David était un prophète. Et ils sont partis. Ils ont pris de l'eau avec des cicatrices. Ils sont venus avec cette eau. Oh roi, nous avions entendu. Tu nous as pas dit d'aller. Mais simplement comme tu l'as dit. Nous avions compris que tu as besoin de l'eau de Bethléem. Quand David a vu cette eau, il a dit, oh, mes soldats, merci beaucoup. Merci pour cette eau. Mais comme vous avez souffert, il a répandu cette eau comme sacrifice devant Dieu. Et Branham a dit, lorsqu'ils ont pris cette eau, l'eau qui venait de Jérusalem, son âme avait soif. Et il a offert cette eau en sacrifice. Il dit que je ne boirai pas de cette eau. Ce n'est pas cette eau que je cherche. Il a répondu par terre. Parce que son âme n'avait pas soif de l'eau là. Mais il avait soif de la véritable eau. Et l'eau, c'est la parole. La parole, c'est Dieu lui-même. J'ai soif du Dieu vivant. Branham a dit, voilà, il avait besoin de cette eau. Il avait besoin de Jésus-Christ. Branham a dit, il a répondu par terre. Voyez-vous, la maison de Dieu, les eaux qui rafraîchissent l'âme, celle de la Jérusalem d'en haut. Oyo ezali ya Yerusalem ya likolo. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Bethléem, la maison de Dieu. Bethléem, ndako na nzambe. L'église terrestre. Ecclesia ya mokili. L'église qui est sur la terre. Ecclesia ezali na mokili. Nous aimons aller à l'église sur la terre. Tolinga kokende na losambo awa na mokili. C'est bien. Ezali malamu. Mais kasi. La Jérusalem d'en haut. Jérusalem oya likolo. Qui est Dieu? Oyo ezali nzambe. Et plus glorieuse. Eleki na nkembo. La Jérusalem qui venait de Dieu. Jérusalem a oyé outaki na nzambe. Vous venez de Dieu. Pouti na nzambe.
La Jérusalem d'en haut. Jérusalem oh ya likolo. Qui est Dieu? Oh ya zalin nzambe. Qui êtes-vous? Ozali banani. Vous êtes des dieux. Ozali banzambe. Vous êtes Dieu dans l'homme. Ozali nzambe katina moto. C'est ce que vous êtes. Ezali oyo bino bozali. La Jérusalem d'en haut. Jérusalem à likolo. La soif de l'âme pour être là-bas avec lui. Posa ya bomoto na kati pona kozala kuna elongo na ye. Est plus grande que celle de satisfaire en adhérant à une église quelque part. Posa wana ya kozala kuna elongo na ye eleki monene ya kokota na lingomba moko boye. Ça doit être plus grand. Ils sont allés lui emporter de l'eau. David a dit merci. David a dit, mais vous n'aviez pas compris de quoi je parlais. Ce n'est pas de cette eau qui vient de Bethléem terrestre. De Jérusalem terrestre. Mais je veux l'eau qui vient de cette Jérusalem d'en-haut. Parce qu'elle est proche maintenant. Vous venez à l'église. C'est bien venir à l'église. Mais maintenant, il y a quelque chose qui est plus proche de vous. Dans laquelle vous devez entrer maintenant. Il est venu. Aïe. Avec la Jérusalem céleste. Na Yerusalem alikolo. Avec l'épouse. Na moisi na libala. En ce jour-là. Na mikolo wana. Vous connaîtrez. Bokoyeba. Que je suis dans le Père. Et nazali katina tata. Le Père est en moi. Tata zali katina ngai. Moi vous. Ngai katina bino. Vous en moi. Bino katina ngai. Prana me dit. Prana malobi. Il les a répandus sur la terre. Asopa kiango na mabele. Oh remarquez. Oh botala. Jérusalem d'en haut. Jérusalem alikolo. Dont nous sommes. Oyo tozali. C'est notre mère à tous. Ezali mama na biso nyoso. Christ est notre mère. Christ ozali mama na biso. Nous comprenons bien ça. Il est El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai signifie El Shaddai Dieu qui a de sang. Zambo azana mabele. Il est no, ma mère. Azali mama na ngai. Il est mon père. Azali tata na ngai. Il est mon frère. Azande konanga mobali. Il est tout. Azali nyoso pona ngai. Qui êtes-vous? Ozali banani. Vous êtes ma mère. Ozali ba mama na ngai. Vous êtes mes frères. Ozali bande konanga mibali. Et pourquoi? Pe pona nini? Parce que Dieu habite en votre. Kwete nzamba azali kovana katre mitema na bino. La Jérusalem. Jérusalem qui descend. Ouezali kokita. Voulez-vous entrer là-dedans? Boli kokota kuna na kati. Est-ce que vous avez soif? Ozali penza na posa. Est-ce que vous m'aviez compris? Boso solinga ipenza. Hein? Hein? Abraham voulait cette cité. Abraham alinga kengumba wana. Il n'était pas satisfait de petites choses sur la terre. Il voulait cette cité. Amen. 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 Dont l'architecte c'est Dieu lui-même. David l'attendait. Il lui a dit, je vais te bâtir. Et il l'a vu. Il a vu Jésus-Christ descendre. Kokita. Et en ce temps de la fin, il attend d'entrer dans cette ville. D'être là aussi. De vivre là-dedans. Sur cette terre. Et c'est là où nous sommes. C'est pourquoi Paul dit, nous ne sommes pas de la montagne. Mont Sinaï. Ce n'est pas là. Mais nous, nous sommes à la montagne de Sion. Nous sommes la Jérusalem céleste. Nous sommes l'épouse. Nous sommes les premiers-nés. Recevez-le. Si vous avez un désir dans votre cœur, que Dieu vous l'accorde. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous donne. Qu'il
qu'il fasse entrer à côté ça cette nouvelle Jérusalem, Jérusalem à Oyasika, ce nouveau corps Nzoto Yasika, ce nouveau temple Tempelo Yasika, cette nouvelle demeure défendez-le Yasika à l'intérieur de vous. Na kati na bino. Ça ne viendra pas là-bas. Eko uta kunate. Ça commencera ici. Eko bandande awa. Est-ce que vous me suivez? Ozali kolanda ngai. Est-ce que vous croyez que Jésus est venu? Ozali kondimete Yesu ayee. Recevez-le. Oyamba ye. Il est venu avec le saint. Aye na basantu. Il est venu avec vos corps. Aye na banzoto na bino. Il est venu avec vos théophanies. Aye na banzoto na bino liloba. Il est venu avec la parole. Aye na liloba. Nous allons nous mettre debout. Ton côté les mains. Restaurer les royaumes. Ozongi sabo konzi na motindo ayambo. Salem reposido. Vous n'avez toujours pas la mélodie jusqu'aujourd'hui. Hein? Est-ce que vous avez la mélodie? Où est le papier? Pardon? En français, où est-ce qu'il est? Ça fait un siècle que j'en parle ici. Il est quelque qui m'a dit pas autant à sa l'école martine. On attend que les pasteurs aient cherché. Nous allons nous lever. De côté les mains. Il est. Est-ce que vous avez compris? Vous êtes soli. Ah là là là. Recevez seulement la parole, mes amis. Oyambaka liloba baninga na ngai. Comme Marie a reçu l'ange. Lokola Maria yambaki mwange. Il y a un corps qui a commencé en elle. Zoto moko ebane kati na ye. Recevez ce message. Oyambasa wana tango yo. Même si vous ne comprenez pas. Ata soki bozali ko sosola te. Marie ne comprenait pas. Maria zalai koso solate. C'était un mystère. Ezala kilibom mami. Qui n'était jamais arrivé dans la Bible. Oh, ezala matango kete na Biblia. Mais Dieu veut s'accomplir en ces temps-là. Asi esengale koko kisama na tango wana. Maria fait sortir Jésus. Marie abimisaki Yesu. Nous aujourd'hui. Biso lelo yo. Nous allons faire sortir l'épouse. Donc obimisa mwasi na libala. Ah, l'épouse est en vous. Christ lui-même. Recevez-le. Même si vous ne comprenez pas. Dites Seigneur. Je crois. Je crois. Je crois. Que tu es venu. Je me réfère partie de cette nouvelle Jérusalem. Je veux entrer là-dedans. Je me réentre là-dedans. On est Dieu.
comprenez ça? Vous allez qu'on sort sur la yango. Mon cœur. Mon thème en angaï. Tes vœux. Et Zali na posa na yo. Tes désirs. Posa na yo. Abraham. Abraham. Cherchez. Azalei koluka. Cette cité. Engumbawana. La nouvelle Jérusalem. Jérusalem asika. Il désirait. Azalaki na posa. Entrez dans cette ville. Kokota kati na Engumbayango. David. Dawidi. Foule cette ville. Azalei na posa Engumbawana. Paulo. Paulo. Foule cette ville. Azalei na posa Engumbawana. Mais. Kasi. Jésus vient. Yes, soyez. Je m'en vais. Alobina kei. Vous préparez cette ville. Comment qui sera bien Engumbayango. Sur cette révélation. Nicolas ne moni celio yo. Je bâtirai cette ville. Aujourd'hui, c'est lui qui Abraham attendait. Oh, Abraham Zengozela. Jacob attendait. Jacob Zengozela. David attendait. David Zengozela. Aujourd'hui, les voilà. Botana Yohana. La nouvelle gloire. Il est revenu. Azongi. Pourquoi? Pour vous placer dans cette ville. Bon à côté à Binokati Ngumbawana. Vous n'allez plus saluer ça de loin. Bon copé Samali Susumote Mosikate. Mais vous allez entrer là-dedans. Cette ville est ici. Ngumbango Zaliawa. Jésus est ici. Yes, Zaliawa. Oh Salem.
un Dieu glorieux. Ce que tu fais dépasse notre entendement. Et je sais que même si nous l'entendons, Seigneur, ça nous dépasse. Et je sais le jour où nous verrons de nos yeux ce que nous entendons aujourd'hui. Nous n'aurons pas de paroles pour te louer. Nous chanterons pour les âges éternels, ta grâce étonnante. La promesse et la ca oindre le sang des saints. Copacola et sika elekibule. Les lieux qui sera le plus saint. Et si la boule koleka, quand tu auras rétabli et restauré Israël, yo, Israël il y aura un lieu saint, très saint, et kozala, que tu as préparé, Seigneur. Ce lieu, c'est la nouvelle Jérusalem. Jérusalem à sika. Ce pays. Cette cité dont Abraham a cherché, il a erré dans ces pays terrestres. Il a trouvé, malgré tout ce qu'il pouvait avoir sur cette terre, un jour, il quittera ces pays. Et tout sera terminé. Mais il avait en vue un pays, une cité où il pourra vivre éternellement. Cette cité dont Dieu est l'architecte. Il a salué ça de loin. David, tu lui as dit, David olobaki na ye, je te fonderai une maison. Le fils qui sortira de tes entrailles, c'est celui-là qui me bâtira une maison. C'est celui-là qui me bâtira une ville. C'est celui-là qui me bâtira une cité. Éternelle, qui ne sera jamais détruite. Ni l'incrédulité, ni la désobéissance ne détruiront jamais cette ville. Cette ville dont Dieu lui-même, il est le fondateur. Dieu a promis ça à David. Il est mort en attendant que ça vienne. Oh, un jour, oh, mokolo moko, Jésus, tu es venu sur la terre. Yesu yo yaki na mokili. Dieu lui-même est descendu Zambé sur la terre. Ki na mokili. La ville était en lui. Engumba ezalaki kati na ye. L'épouse était en toi. Mwasi na libala ezalaki kati na yo. Comme il était dans Adam. Lokola ezalaki kati na Adama. Il est dit dans la parole. E komami kati na iloba. Quand tu as créé l'homme, il était homme et femme. Ntango okelaki moto ezalaki mobali pe mwasi mbala moko. La femme était en Adam. Et quand Jésus est venu sur terre, l'épouse était en lui. Bien-aimé Père, je m'en vais vous préparer une place. Je sais que vous allez bientôt terminer votre voyage sur terre. Mais je m'en vais vous préparer une place. Je sais que vous aimerez qu'on reste ensemble. Mais vous êtes dans des corps mortels. Moi, je suis dans un corps immortel. Nous ne pouvons pas habiter ensemble.
Je m'en vais aussi vous préparer une place, un corps. Quand je l'aurai préparé, je reviendrai. Je vais vous prendre afin que dans le même genre de corps, le même corps dans lequel je suis, vous y serez aussi. Et alors nous vivrons ensemble. Nous n'allons plus jamais nous séparer. Maintenant vous êtes dans la tristesse. Mais je dois partir pour vous préparer cet endroit. Je reviendrai vous prendre. Oh bien-aimé Père, de savoir que aujourd'hui, c'est que les gens ont salué de moi. Cela est arrivé aujourd'hui. Nous ne saluons pas de loin, mais nous recevons cela aujourd'hui. Nous entrons dans cela maintenant. Fais-nous entrer dans cette ville. Que cette ville entre en nous. Que nous nous entrons dans la ville. Que la ville entre en nous. Accorde-le, Père. Loue-nous de cette onction. De cette onction qui vient de cette ville. Donnez-nous le désir d'aimer cette ville. Bien-aimé Père, le diable est descendu avec une grande séduction. Il est en train de séduire beaucoup de gens. L'homme donnant le désir des choses du monde. Les trompants. Les trompants. Alors que la ville est là. Pour rentrer là-dedans. Tu nous invites à y entrer. Où il n'y aura plus de larmes. Où il n'y aura plus la mort. Chaque jour ici. Nous plairons nos bien-aimés qui sont là. Nous plairons les membres de nos familles. Alors que cette ville. Elle est ici. Nous ne voulons pas entrer. Nous voulons continuer à pleurer. Nous voulons continuer à souffrir. Bien-aimé Père, réveille nos cœurs. Réveille nos âmes. Réveille nos cœurs. Réveille nos cœurs. Mets en nous le désir d'entrer dans cette ville. Qui veut entrer en nous? Nous voulons entrer en toi. Accorde-nous cette grâce. Donne le désir à cette assemblée. Donne le désir à ces croyants. Mets la soif du Dieu vivant. La soif de la cité. La soif du pays. Bien-aimé Père, que nous puissions voir les choses de cette terre. Comme des choses passagères. Que notre attention soit portée sur les choses éternelles. Fais-nous grâce, Seigneur. Baptise-nous du Saint-Esprit. Pas n'importe quel Saint-Esprit. Que la nuée de gloire entre dans notre cœur. Que la nuée entre dans nos âmes. Pour nous oindre. Afin que nous devenions des demeures éternelles. Donnez-nous des désirs. Personne n'entrera dans cette ville s'il n'a pas le désir d'y entrer. Personne n'y entrera. On ne forcera personne là-bas. Oh Père, oh Tata, accorde le Seigneur. Enlève les désirs du monde. La soif des choses du monde. David, on lui a donné l'eau de Bethléem. Il a pris cette eau-là. Il a jeté sa par terre. Bien-aimé Père Céleste, nous pouvons recevoir des choses de cette terre. Nous pouvons recevoir l'argent. Nous pouvons recevoir des maisons. Nous pouvons recevoir tous ces affaires. Ça ne vaut rien. Mais il y a une chose. La chose éternelle, la parole, l'iloba, la nouvelle Jérusalem, Jérusalem, un beau pays, Bokakitoko, il n'y aura plus la mort. Accorde le Père. Nous devons maintenant rentrer à pied. Oh, mais nous attendons ces jours-là où nous n'allons plus nous séparer. Nous n'allons plus jamais nous séparer. Accorde le Père. Donnez-nous déjà maintenant. Les
gage de ce pays. Donnez-nous, Seigneur, la grâce d'entrer dans ce pays. Accorde-le, Père. Comme Abraham, quand ils sont ressuscités, ton prophète dit qu'Abraham et tous les autres sont ressuscités. Ils sont entrés dans la cité. Bien-aimé Père, accorde-nous ta grâce. Tu y es aussi venu. Fais-nous entrer dans cette ville, dans ces beaux pays, où nous n'allons plus jamais sortir, Seigneur. Accompagne chacun. Bénis chacun avec la ville à l'intérieur. Aide-nous à porter ces beaux pays, le temple, le véritable temple, tempelo, ya solo ya Nzambe, ce corps à porter la parole, mais ça va tomber bientôt. Ce corps né du péché, ça doit tomber. Mais toi, Seigneur, sans le sexe, par la parole, un corps est créé en nous, qui sera le véritable temple. Fais-nous grâce. Donne-le à chacun. C'est ma sincère prière. Marie n'a pas compris. Mais la parole qu'elle a reçue, c'était un temple à l'intérieur. Dieu est entré dans ce temple. Qu'à l'intérieur de ces corps, de ces membres de cette église, qu'il y ait un nouveau corps, le corps parole, ça soit créé dans leur cœur. Dieu va habiter là-dedans pour l'éternité. Merci notre Père. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Nous sommes ton épouse. Nous sommes ton époux. Accorde-le, Père. Que ceux qui sont malades dans ce corps, tu nous as donné les gages. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Donne-nous les gages par la guérison des malades. S'il y a quelqu'un qui est dans des problèmes, donne-lui la solution. Donne-lui la bénédiction. Mais la grande bénédiction. Construis cette ville sous la forme de la pyramide. Avec la foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, l'amour parfait à l'intérieur. La demeure du Dieu Tout-Puissant. Et les sept tonnerres sont venus pour bâtir ce tabernacle à l'intérieur de nous. Bientôt, Père, nous allons voir ce mystère. Comme Marie, pendant 9 mois, elle portait un mystère. Elle ne savait pas de quoi il s'agissait. Elle ne savait pas ça. C'était quoi? Mais après un temps, le mystère a été dévoilé. Bientôt, Seigneur, ce que nous cachons à l'intérieur de nous, ça va être dévoilé. Nous serons étonnés. Nous serons surpris de voir cette ville, la nouvelle Jérusalem. Accompagne-nous, Père, encore une fois, qu'il y ait un grand désir pour ces beaux pays, pour cette cité, parce que nous sommes à la fin. Que ton nom soit béni, accompagne chacun, et que tout soit pour ta gloire. Protège chacun.
Protège le tabernacle. Batela mingombo. Protège, Seigneur. Batela nkolo. Ce qui est à l'intérieur de tes enfants. Oye, zayna katina bana yo. Il y a quelque chose de grand à l'intérieur. Komo koya monene zana katina bango. Protège, Père. Batela nkolo. Protège et garde. Batela pe bomba. Que tes anges les accompagnent jusqu'à la maison. Je vais que nous allons goki na bandako. Accorde le Père. Pese ango tata. Que tout soit pour ta gloire. Yo se la pona nkembo na yo. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Komo nkolo Yesu Kristo. Qui est venu aujourd'hui. Oh, aïe, lo. Nous disons tous. Tolobibi Sobanso. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Matondi, Nzamba Pambolabino. Oh non. Je vous ai pris beaucoup de temps. Akamatibino Tango Mingi. Pardonnez-moi. Bolimbi Sangai. Demain, avec le jeune. Lobina Bilenge. À 17h. Il s'en va. Akei. Alléluia. Alléluia. Notre frère est parti. Ndeko nabiso akei. Vous pleurez. Bozali kolela. Pendant que vos propres péchés, vous ne pleurez même pas comme ça. Natango pona masumu na bino mobolela kata bongote. Il s'en va. Akei. Quand le voyage naturel, vous reprenez, il est allé à Moscou. Tango na mobembo ya mokilo, boyoki akei na Moscou. Il n'y a même pas d'église là-bas. Kuna lo sambo ezalaka kutu te. Notre frère est parti. Même le papa, oh Seigneur. Tata. Oh, Kolo. Merci. Hein. Matondi. Un endroit, il n'y a pas la parole. Et pas iwapi, na mboka moko pa iwapi li lobezali te. Mais vous voyez comment la famille entière. Merci. Alors voilà, libota mon mbabaza ko bina ko sepela. Mais quand votre frère il s'en va dans la gloire. Kasi tango ndeko na yo akeina nkembo. Vraiment cette église Dieu n'est pas là. Non, ça mo pinza nzamba za na ikuna te. Ah, alors c'est le combat spirituel. Tokende na bitumba molimo. Il me dit d'aller dans le combat spirituel. Il dit allez-y, envoyez votre frère en enfer. Allez. Na lobi oyebi singa to kende na bitumba moli mona bokende tina ndeko na ona lifelo bokende. Branham dit. Branham alobi. La communion par la rédemption. Boyokani kati na lisiko. Il dit ceci. Azali koloba boye. Frère Branham dit. Ndeko Branham alobi. Je vais être un peu différent ce matin. Je veux me déchaîner concernant certaines choses de ma propre théologie. Des choses dont je n'ai jamais parlé auparavant dans cette église. Mais je pense que ça pourra vous être profitable. Je n'ai jamais cru que le ciel était un endroit où il y a un tas de bâtiments. Il y a des maisons dont les murs sont tapissé. Dont les murs sont peints. Et pas yobi tutu mapakola langi. Non, le ciel, ce n'est pas ça. Que lola ezali bongote. Je n'ai jamais cru. Nano nandimate. Qu'un être surnaturel. Ete moto ya molimo. Devait habiter dans une maison littérale. Non. Mais je crois que quand Jésus parlait dans Jean 14, que dans la maison de mon père, il y a plusieurs domaines. Il voulait dire un corps, un lieu d'habitation. Esika et Fandelo. Car les Écritures confirment la même chose. Zambi, ma commune est allée côté de la motine moko. Disant que si cette tente terrestre est détruite, ma colombe est ce qui est maoyo na mokili ekufi. Nous en avons une. Dans allée na moko mosusu qui attend. Où est allée Kozela? Où? Wapi? Au ciel. Na lola. Le ciel c'est quoi? Lola ezali nini? Le ciel c'est la parole. Lola ezali niloba. Le ciel c'est le trône de Dieu. Lola ezali kiti na bokonti na nzambe. Le ciel ce n'est pas la
là-bas. Le ciel, c'est la parole. Le ciel, là-bas. Le ciel est en vous. Parce que Dieu est en vous. Branham a dit, Branham a lobby. Les êtres mortels sont les seuls à vivre dans des maisons et habitations mortelles. Ainsi, le lieu dans lequel on va, en attendant de revenir, n'est pas un lieu fait de briques, ni de pierres précieuses. Non, c'est un état, une condition. Nous sortons de cette dimension où nous vivons pour rentrer dans une autre dimension. Et c'est une maison, un tabernacle, une demeure, une dimension. Jésus a dit, détruisez ce temple et je le révélerai en trois jours. Il est allé préparer une place pour chaque croyant. Pour qu'au moment où nous sortirons de ces régions mortelles, nous n'entrions pas dans quelque chose de mystique ou dans un esprit surnaturel, mais nous entrions dans un tabernacle, une demeure. Et Branham a dit, et cela pourrait être ici même dans ce bâtiment. Ici dans ce bâtiment, ça se trouve là. Yango ezali wana. C'est préparé par Dieu. Ça c'est préparé par votre père. Oyo tata na yo nda bongisa yango. Ça c'est votre mère. Oyo ezali mama na yo. Dieu n'habite pas ça. Nzamba vandaka wana te. Dieu ne veut pas de ça. Nzamba lingi yango te. Mais lui-même. Kasi ye moko. Il est allé nous préparer. Akei komongisa na biso. Et il est revenu. Pe azongi. Avec ce corps-là. Nzoto yango. Ça se trouve en vous. Ezali kasi na. Quand Branham est parti de l'autre côté, il était sur le lit. Il était sur le lit. Tout d'un coup, il s'est vu de l'autre côté. Dans un corps. Embrassant les frères. D'où est venu ce corps-là? C'était venu où? Et où t'as qui wapi? Hein? Hein? Il est allé d'abord quelque part, il a trouvé beaucoup de corps. Je prends ça. Abi, na kamata oyo boy. D'où ça venait? Et où t'as qui wapi? C'était où? Ezala ki wapi? C'était à l'intérieur. Ezala ki na kati na ye. C'était la parole. Ezala ki liloba. À l'intérieur. Na kati. Tout d'un coup. Ma poisa. La parole. Liloba. Se matérialise. Et comme une zoto. Pendant qu'il était dans un autre temple là-bas, il regarde là-bas. Il voit son corps. Il dit, mais je ne veux pas rentrer là-bas. J'aimerais rester même ici. Dieu lui dit non. Tu as encore un grand travail. Rentre. Zonga. Sur cette terre, Namo kilioyo, le seul moyen de travailler, c'est dans ces vieux corps. Retourne là-bas. Zonga kuna nakati. Branham dit en un instant. Branham alobi. Il s'est vu sur le lit. Ce changement là, ce changement de dimension, d'une dimension à une
C'est la parole en vous qui le fait. C'est ce message qui doit faire ça. Est-ce que vous me suivez? C'est le message qui doit faire ça. Et c'est pourquoi Frère Branham dit, hein, ces corps-là, c'est là que nous allons. Parce que quand ça se trouve là quelque part, Dieu avait promis ça à David. Hein, nous, le ciel est là-bas. Dans le millénium. Ce ne sera plus ce vieux corps. Ce sera la nouvelle Jérusalem. Et la nouvelle Jérusalem. C'est l'épouse. C'est le temple de Dieu. Dieu en vous. Branham dit, je termine dans Hébreux chapitre 10. Dieu avait dit où Abraham. Il était là au verset 10. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait en recevoir en héritage. Qu'il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vient s'établir dans la terre promise. Comme dans une terre étrangère. Habitant sous des tentes. Sous des tentes. Ainsi qu'Isaac, Jacob, les co-héritiers de la mère promise. Isaac et Jacob, car il attendait la cité Engumba qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Même Abraham, même s'il est allé en Canaan, même s'il a vu ça, mais Abraham n'était pas satisfait. Abraham n'était pas satisfait. Abraham il dit, mais un jour, je quitterai ce pays. Alors, je veux me réjouir en quoi? Non, Dieu, je veux me réjouir après, et puis c'est fini. Non, Dieu lui dit, Abraham, ne t'en fais pas. J'ai une ville. J'ai un pays. Une ville. Dont moi-même. J'ai conçu. Et moi-même je veux construire un corps, une épouse. Il attendait des solutions. Branham, la Bible dit au verset 14, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus saluer, reconnaissant qu'ils étaient étrangers voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi, montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient en vue, s'ils avaient en vue, s'ils étaient satisfaits, d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Car il leur a préparé une cité. Même Abraham n'était pas satisfait de ce pays terrestre. Il attendait une ville, une cité que Dieu lui-même va créer un corps, une habitation dans lequel vous n'allez plus souffrir, vous n'allez plus pleurer, vous n'aurez plus la maladie. Et ce corps-là, il est déjà allé le préparer.
réparer. Il est revenu pour mettre ce corps-là en vous maintenant. Pour que ça apparaisse, ça va descendre visiblement dans le millénium. D'abord, on partira au ciel pour le début de la lune de miel. On va monter au ciel et que nous quittons ce corps. Quelque chose de glorieux va sortir. C'est ce que Abraham attendait. C'est ce que David attendait. Ils attendaient cette cité. Si eux, ils avaient cette cité. Je ne sais pas vous qui êtes très proche. Qu'est-ce que vous sentez? Oh là là là. Oh là 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 là. Dans le message, il a soif. Frère Branham dit. Oh, ce matin, je voulais sauter en l'air. Frère Branham dit. Paragraphe 145. David avait soif. David a mon âme a soif de toi. Comme il dit, biche soupir. Mon âme a soif. Hein? Il était là. L'onction était sur lui. Il savait qu'il allait être roi. Il avait des gens des nations. Sa propre ville qu'il aimait a été encerclée par les Philistins. Et David, en cette journée chaude, c'est là qu'il a écrit. Comme il biche soupir après un coup. Bethlehem était enfermé par les Philistins. Il a regardé la ville où le Messie allait naître. Il a dit, oh, qui me donnera l'eau de Bethléem? Qui me donnera l'eau? Oh, j'ai soif! Parce que d'ici, il y aura une source. Il y a une source qui sortira de Bethléem. Qui me donnera l'eau de Bethléem? Il avait quelques serviteurs. Le moindre de ses désirs était pour un ordre. Et trois d'entre eux se sont battus. Ils ont compris. Oh, notre roi, il a besoin de l'eau de Bethléem. Allons. Si nous devons mourir pour lui apporter ce David était un prophète. David et ils sont partis. Ils ont pris de l'eau avec des cicatrices. Ils sont venus avec cette eau. Roi, nous avions entendu. Tu nous as pas dit d'aller. Mais simplement comme tu l'as dit. Nous avions compris que tu as besoin de l'eau de Bethléem. Quand David a vu cette eau, il a dit, oh, mes soldats, merci beaucoup. Merci pour cette eau. Mais comme vous avez souffert, il a répandu cette eau comme sacrifice devant Dieu. Et Branham dit, lorsqu'ils ont pris cette eau, l'eau qui venait de Jérusalem, son âme avait soif. Et il a offert cette eau en sacrifice. Il dit que je ne boirai pas de cette eau. Ce n'est pas cette eau que je cherche. Il a répondu par terre. Parce que son âme n'avait pas soif de l'eau là. Mais il avait soif de la véritable eau. Et l'eau, c'est la parole. La parole, c'est Dieu lui-même. J'ai soif du Dieu vivant.
Branham a dit, Branham a lobby. Voilà, il avait besoin de cette eau. Il avait besoin de Jésus-Christ. Branham a dit, il a répondu par terre. Voyez-vous, Omoni, la maison de Dieu, les eaux qui rafraîchissent l'âme, celle de la Jérusalem d'en haut. Oyo ezali ya Yerusalem ya likolo. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Yesu alobaki nazali pana bomoi. Bethléem, la maison de Dieu. Bethléem ndako na Nzambe. L'église terrestre. Ecclesia ya mokili. L'église qui est sur la terre. Ecclesia ezali na mokili. Nous aimons aller à l'église sur la terre. Tolinga kokende na losambo awa na mokili. C'est bien. Ezali malamu. Mais kasi la Jérusalem d'en haut. Jérusalem oya likolo. Qui est Dieu? Oyo ezali Nzambe. Et plus glorieuse. Eleki na nkembo. La Jérusalem qui venait de Dieu. Jérusalem a oyé outa qui na Nzambe. Vous venez de Dieu. Bouti na Nzambe. La Jérusalem d'en haut. Jérusalem oyé likolo. Qui est Dieu? Oyé zali Nzambe. Qui êtes-vous? Ozali banani. Vous êtes de Dieu. Ozali ban Nzambe. Vous êtes Dieu dans l'homme. Ozali Nzambe. C'est ce que vous êtes. La Jérusalem d'en haut. Jérusalem à l'icolo. La soif de l'âme pour être là-bas avec lui. Posa yabomoto na kati pona kozala kuna elongo na ye. Est plus grande que celle de satisfaire en adhérant à une église quelque part. Posa wana yakozala kuna elongo na ye. Eleki monene yakokota na lingomba moko boye. Ça doit être plus grand. Et sengali koza monene koleka. Ils sont allés lui emporter de l'eau. Bakene ba memeli mai. David a dit merci. David a dit matondi. Mais vous n'aviez pas compris de quoi je parlais. Bonso solite na zai koloba na tina na nini. Ce n'est pas de cette eau qui vient. Ezali mayote. Outi na Bethléem mokili. De Jérusalem terrestre. Na Jérusalem mokili. Mais je veux l'eau. Kasi na lingi mai. Qui vient de cette Jérusalem. Ezali ko uta na Jérusalem alikolo. Parce qu'elle est proche maintenant. Vous venez à l'église. C'est bien venir à l'église. Mais maintenant, il y a quelque chose qui est plus proche de vous. Dans laquelle vous devez entrer maintenant. Il est venu. Aïe. Avec la Jérusalem céleste. Na Yerusalem alikolo. Avec l'épouse. Na mwasi na libala. En ce jour-là. Na mikolo wana. Vous connaîtrez. Bokoyeba. Que je suis dans le Père. Et nazali kati na tata. Le Père est en moi. Tata zali kati na ngai. Moi, vous. Ngai kati na bino. Vous en moi. Bino kati na ngai. Branham a dit. Branham alobi. Il les a répandus sur la terre. Asopa kiango na mabele. Oh, remarquez. Oh, botala. Jérusalem d'en haut. Jérusalem alikolo. Dont nous sommes. Oyo tozali. C'est notre mère à tous. Ezali mama na biso nyoso. Christ est notre mère. Christ ezali mama na biso. Nous comprenons bien ça. Tozali kososo yango malamu. Il est El Shaddai. Azali El Shaddai. El Shaddai signifie. El Shaddai likoloba. Dieu qui a de sang. Zambo azana mabele. Il est ma mère. Azali mama na ngai. Il est mon père. Azali tata na ngai. Il est mon frère. Azande konanga mobali. Il est tout. Azali nyoso pona ngai. Qui êtes-vous? Ozali banani. Vous êtes ma mère. Vous allez maman n'angai. Vous êtes mes frères. Vous allez m'aider quand on a mis bas. Et pourquoi? Mais pour nanini. Parce que Dieu habite en votre. Vous êtes ensemble. Vous allez couvrir la carte de vitesse manabino. La Jérusalem. Jérusalem. Qui descend? Vous allez coquita. Voulez-vous entrer là dedans? Boni kokota kuna nakati. Est-ce que vous avez soif? Vous allez penza na posa. Est-ce que vous m'aviez compris? Posa solinga y penza. Hein? Hein? Abraham voulait cette cité. Abraham alinga kengumba wana. Il n'était pas satisfait. Asepela kite. De petites choses sur la terre. Na biloko amike mike na mokili. Il voulait cette cité. Alinga kengumba wana. Amen. Amen.
dont l'architecte c'est Dieu lui-même. David l'attendait. Il lui a dit, je vais te bâtir. Et il l'a vu. Il a vu Jésus-Christ descendre. Et en ces temps de la fin, il attend d'entrer dans cette ville. D'être là aussi. De vivre là-dedans, sur cette terre, et c'est là où nous sommes. C'est pourquoi Paul dit, nous ne sommes pas de la montagne. Mont Sinaï, ce n'est pas là. Mais nous sommes à la montagne de Sion. Nous sommes la Jérusalem céleste. Nous sommes l'épouse. Nous sommes les premiers-nés. Recevez-le. Si vous avez un désir dans votre cœur, que Dieu vous l'accorde. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous donne. Qu'il fasse entrer cette nouvelle Jérusalem. Ce nouveau corps. Ce nouveau temple. Cette nouvelle demeure. Défendez-le à l'intérieur de vous. Na kati na bino. Ça ne viendra pas là-bas. Eko uta kunate. Ça commencera ici. Eko bandande awa. Est-ce que vous me suivez? Ozali kolanda ngai. Est-ce que vous croyez que Jésus est venu? Ozali kondimete ye soyez. Recevez-le. Oyambaye. Il est venu avec le saint. Aye na basantu. Il est venu avec vos corps. Aye na banzoto na bino. Il est venu avec vos théophanies. Aye na banzoto na bino liloba. Il est venu avec la parole. Aye na liloba. Nous allons nous mettre debout. Ton côté les mains. Restaurer les royaumes. Bozongi sabo konzi na motindo ayambo. Salem reposido. Vous n'avez toujours pas la mélodie jusqu'aujourd'hui. Hein? Est-ce que vous avez la mélodie? Où est le papier? Pardon? En français, où est-ce qu'il est? Ça fait un siècle que j'en parle ici. Il est qui est dans la salle de l'école. On attend que les pasteurs aient cherché. Nous allons nous lever. De côté les mains. Il est. Est-ce que vous avez compris? Vous êtes soli. Ah là là là. Recevez seulement la parole, mes amis. Comme Marie a reçu l'ange. Il y a un corps qui a commencé en elle. Recevez ce message. Même si vous ne comprenez pas. Attends, ceux qui vous allez vous sont sur la terre. Marie ne comprenait pas. Marie a zala ikoso solate. C'était un mystère. Et zala kilibom mami. Qui n'était jamais arrivé dans la Bible. Oh, et zala matango kete na Biblia. Mais Dieu veut s'accomplir en ces temps-là. Parce que c'est zala ikoko kisama matango wana. Marie a fait sortir Jésus. Marie a bibisa ki Yesu. Nous aujourd'hui. Biso leloyo. Nous allons faire sortir l'épouse. Donc bibisa mwasi na libala. Ah, l'épouse est en vous. Christ lui-même. Recevez-le. Même si vous ne comprenez pas. Dites Seigneur. Le bancolo. Je crois. Nandimi. Je crois. Nandimi. Je crois. Nandimi. Que tu es venu. Et yo yé. J'aimerais faire partie de cette nouvelle Jérusalem. Nalingi penza kozala kati na Yerusalem asika. Je veux entrer là-dedans. Nalingi kokota na kati na yango. J'aimerais entrer là-dedans. Nalingi kokota na kati na yango. Mon Dieu. C'est tout est clair.
avec le main. Mon cœur, mon thème en angaï, tes vœux, et Zalina Posanayo, tes désirs, Posanayo, Abraham, Abraham, cherchez
Cette cité, Engumbawana, la nouvelle Jérusalem, Jérusalem Asika, il désirait Azalaki na posa, entrer dans cette ville. Kokota kati na ngumba yango. David, David, voulait cette ville. Azalaki na posa Engumbawana. Paulo, Paulo, voulait cette ville. Azalaki na posa Engumbawana. Mais, Kasi, Jésus vient. Yes, je m'en vais. Alobi na kei. Vous préparez cette ville. Komongi sela bina ngumba yango. Sur cette révélation. Nikolane moni selio yo. Je bâtirai cette ville. Et aujourd'hui, c'est lui qui Abraham attendait. Jacob attendait. David attendait. Aujourd'hui, les voilà. La nuée de gloire. Il est revenu. Pourquoi? Pour vous placer dans cette ville. Vous n'allez plus saluer ça de loin. Mais vous allez entrer là-dedans. Cette ville est ici. Jésus est ici. Yesu azaliawa. Oh, Salem. Hey.
y est un Dieu glorieux. Ce que tu fais dépasse notre entendement. Et je sais que même si nous l'entendons, Seigneur, ça nous dépasse. Et je sais le jour où nous verrons de nos yeux ce que nous entendons aujourd'hui. Nous n'aurons pas de paroles pour te louer. Nous chanterons pour les âges éternels, ta grâce étonnante. La promesse et la ca oindre le sang des saints. Copacola et sicole qui boule. Les lieux qui sera le plus saint. Et si la boule coléka. Quand tu auras rétabli et restauré Israël. Tangoyo okozongisa Israël motindo ayam. Il y aura un lieu saint, très saint. Et si ka oele ki boule kozala. Que tu as préparé, Seigneur. Oyo bongisi nkolo. Ce lieu, c'est la nouvelle Jérusalem. Ezali Yerusalem ya sika. Ce pays, cette cité dont Abraham a cherché, il a erré dans ces pays terrestres. Il a trouvé, malgré tout ce qu'il pouvait avoir sur cette terre, un jour, il quittera ce pays. Et tout sera terminé. Mais il avait en vue un pays, une cité où il pourra vivre éternellement. Cette cité dont Dieu est l'architecte. Il a salué ça de loin. David, tu lui as dit, David Olovaki na ye. Je te fonderai une maison. Le fils qui sortira de tes entrailles, c'est celui-là qui me bâtira une maison. C'est celui-là qui me bâtira une ville. C'est celui-là qui me bâtira une cité. Éternelle, qui ne sera jamais détruite. Ni l'incrédulité, ni la désobéissance ne détruiront jamais cette ville. Cette ville dont Dieu lui-même, il est le fondateur. Dieu a promis ça à David. Il est mort en attendant que ça vienne. Oh, un jour, oh, mokolo moko. Jésus, tu es venu sur la terre. Yesu yo yakina mokili. Dieu lui-même est descendu sur la terre. La ville était en lui. Engumba ezalaki kati na ye. L'épouse était en toi. Wasina libala ezalaki kati na yo. Comme il était dans Adam. Lokola ezalaki kati na Adama. Il est dit dans la parole. Ekomami kati na eloba. Quand tu as créé l'homme, il était homme et femme. Dango kelaki moto ezalaki mobali pe mwasi mbala moko. La femme était en Adam. Mwasi ezalaki kati na Adama. Et quand Jésus est venu sur terre, Tango Yesu ezalaki na mokili. L'épouse était en lui. Mwasina libala ezalaki kati na ye. Bien-aimé père. Molinga mitata. Je m'en vais vous préparer une place. Je sais que vous allez bientôt terminer votre voyage sur terre. Mais je m'en vais vous préparer une place. Je sais que vous aimerez qu'on reste ensemble. Mais vous êtes dans des corps mortels. Moi, je suis dans un corps immortel. Nous ne pouvons pas habiter ensemble.
Je m'en vais aussi vous préparer une place, un corps. Quand je l'aurai préparé, je reviendrai. Je vais vous prendre afin que dans le même genre de corps, le même corps dans lequel je suis, vous y serez aussi. Et alors nous vivrons ensemble. Nous n'allons plus jamais nous séparer. Maintenant vous êtes dans la tristesse. Mais je dois partir. Pour vous préparer cet endroit, je reviendrai vous prendre. Oh bien-aimé Père, de savoir que aujourd'hui, c'est que les gens ont salué de moi. Cela est arrivé aujourd'hui. Nous ne saluons pas de loin. Mais nous recevons cela aujourd'hui. Nous entrons dans cela maintenant. Fais-nous entrer dans cette ville. Que cette ville entre en nous. Que nous entrons dans la ville. Que la ville entre en nous. Accorde-le, Père. Loue-nous de cette onction. De cette onction qui vient de cette ville. Donnez-nous le désir d'aimer cette ville. Bien-aimé Père, le diable est descendu avec une grande séduction. Il est en train de séduire beaucoup de gens. Leur donnant le désir des choses du monde. Les trompant. Les trompants, alors que la ville est là, pour entrer là-dedans, tu nous invites à y entrer. Où il n'y aura plus de larmes, où il n'y aura plus la mort. Chaque jour ici, nous plairons nos bien-aimés qui sont en train de nous. Nous plairons les membres de nos familles. Alors que cette ville est ici, nous ne voulons pas entrer. Nous voulons continuer à pleurer. Nous voulons continuer à souffrir. Bien-aimé Père, réveille nos cœurs. Réveille nos âmes. Réveille nos cœurs. Mets en nous le désir d'entrer dans cette ville. Qui veut entrer en nous? Nous voulons entrer en toi. Accorde-nous cette grâce. Donne le désir à cette assemblée. Donne le désir à ces croyants. Mets la soif du Dieu vivant. La soif de la cité. La soif du pays. Bien-aimé Père, que nous puissions voir les choses de cette comme des choses passagères, que notre attention soit portée sur les choses éternelles. Fais-nous grâce, Seigneur. Baptise-nous du Saint-Esprit. Pas n'importe quel Saint-Esprit. Que la nuée de gloire entre dans notre cœur. Que la nuée entre dans nos âmes pour nous oindre. Afin que nous devenions des demeures éternelles. Donnez-nous des désirs. Personne n'entrera dans cette ville s'il n'a pas le désir d'y entrer. Personne n'y entrera. On ne forcera personne là-bas. Oh Père, accorde le Seigneur. Enlève les désirs du monde. La soif des choses du monde. David, on lui a donné l'eau de Bethléem. Il a pris cette eau-là. Il a jeté sa part. Bien-aimé Père Céleste, nous pouvons recevoir des choses de cette terre. Nous pouvons recevoir l'argent. Nous pouvons recevoir des maisons. Nous pouvons recevoir tous ces affaires. Ça ne vaut rien. Mais il y a une chose. La chose éternel. La parole. L'Iloba. La nouvelle Jérusalem. Jérusalem Asika. Un beau pays. Boka Kitoko. Il n'y aura plus la mort. Et pas yopikufe kozalate. Accorde le Père. Nous devons maintenant rentrer à pied. Oh, mais nous attendons ces jours-là. Où nous n'allons plus nous séparer. Nous n'allons plus jamais nous séparer. Accorde le Père. Donne-nous déjà maintenant. Pesa biso yango sika.
gages de ce pays. Donnez-nous, Seigneur, la grâce d'entrer dans ce pays. Accorde-le, Père. Comme Abraham, quand ils sont ressuscités, ton prophète dit qu'Abraham et tous les autres sont ressuscités. Ils sont entrés dans la cité. Bien-aimé Père, accorde-nous ta grâce. Tu y es aussi venu. Fais-nous entrer dans cette ville, dans ces beaux pays, où nous n'allons plus jamais sortir, Seigneur. Accompagne chacun. Bénis chacun avec la ville à l'intérieur. Aide-nous. Apporter ces beaux pays, le temple, le véritable temple, le tempelo ya solo ya Nzambe, ce corps, apporter la parole, mais ça va tomber bientôt. Ce corps né du péché, ça doit tomber. Mais toi, Seigneur, sans le sexe, par la parole, un corps est créé en nous, qui sera le véritable temple. Fais-nous grâce. Donne-le à chacun. C'est ma sincère prière. Marie n'a pas compris. Mais la parole qu'elle a reçue, c'était un temple à l'intérieur. Dieu est entré dans ce temple. Qu'à l'intérieur de ces corps, de ces membres de cette église, qu'il y ait un nouveau corps. Le corps parole, ça soit créé dans leur cœur. Dieu va habiter là-dedans pour l'éternité. Merci notre Père. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Nous sommes ton épouse. Nous sommes ton époux. Accorde-le, Père. Que ceux qui sont malades dans ce corps, tu nous as donné les gages. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Donnez-nous les gages par la guérison des malades. S'il y a quelqu'un qui est dans des problèmes, donnez-lui la solution. Donne-lui la bénédiction. Mais la grande bénédiction. Construis cette ville sous la forme de la pyramide. Avec la foi. La vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'amour fraternel, l'amour parfait à l'intérieur. La demeure du Dieu Tout-Puissant. Et les sept tonnerres sont venus pour bâtir ce tabernacle à l'intérieur de nous. Bientôt, Père, nous allons voir ce mystère. Comme Marie, pendant 9 mois, elle portait un mystère. Elle ne savait pas de quoi il s'agissait. Elle ne savait pas ça, c'était quoi. Mais après un temps, le mystère a été dévoilé. Bientôt, Seigneur, ce que nous cachons à l'intérieur de nous, ça va être dévoilé. Nous serons étonnés. Nous serons surpris de voir cette ville, la nouvelle Jérusalem. Accompagne-nous, Père, encore une fois, qu'il y ait un grand désir pour ces beaux pays, pour cette cité, parce que nous sommes à la fin. Que ton nom soit béni, accompagne chacun. Et que tout soit pour ta gloire. Protège chacun. Protège le tabernacle. Batela mingombo. Protège, Seigneur. Batela nkolo. Ce qui est à l'intérieur de tes enfants. Il y a quelque chose de grand à l'intérieur de protège, Père. Batela nkolo. Protège et garde. Batela pebomba. Que tes anges les accompagnent jusqu'à la maison. Accorde-le, Père.
Que tout soit pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui est venu aujourd'hui. Nous disons tous. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Matondi, nzamba pambola bino. Oh non, 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 je vous ai pris beaucoup de temps. Pardonnez-moi. Bolimbi sangai. Demain, avec le jeune. Lobina bilenge. À 17h. À 17h. Abraham, Abraham, cherchez, Azalei Koluka,
cette cité, Engumbawana, la nouvelle Jérusalem, Jérusalem Asika, il désirait Azalaki na posa, entrer dans cette ville. Pokota kati Engumbayango, David, Dawidi, voulait cette ville. Azali na posa Engumbawana, Paul, Paulo, voulait cette ville. Azali na posa Engumbawana, mais Kasi, Jésus vient, yes, je m'en vais. Alobina kei, vous préparez cette ville. Pour monguisela bino Engumbayango, sur cette révélation. Nicolas Némoni Célio, je bâtirai cette Nakotonga ville. Et aujourd'hui, Hello, yo. C'est lui qui Abraham attendait. Oh, Abraham Zengozela. Jacob attendait. Jacob Zengozela. David attendait. David Zengozela. Aujourd'hui, Hello, yo. Les voilà. Botana Yewana. La nouvelle gloire. Du patana Kembo. Il est revenu. Azongi. Pourquoi? Bonanini. Vous placez dans cette ville. Vous n'allez plus saluer ça de loin. Mais vous allez entrer là-dedans. Cette ville est ici. Jésus est ici. Yes, oh, Salem. Yeah.
Tu es un Dieu glorieux. Osalin Zambé Yakembo. Ce que tu fais dépasse notre entendement. Oyo Zali Kosala, Ezali Kolekela Boso Solina Bisso. Et je sais que même si nous l'entendons, Seigneur, ça nous dépasse. Et je sais le jour où nous verrons de nos yeux ce que nous entendons aujourd'hui. Et nous n'aurons pas de paroles pour te louer. Nous chanterons pour les âges éternels, ta grâce étonnante. La promesse et la ca oindre le sang des saints. Kopakola et sika ele kibule. Les lieux qui sera le plus saint. Et si quand tu as la boule coléka, quand tu auras rétabli et restauré Israël, tangoyo okozongi sa Israël motindo ayam, il y aura un lieu saint, très saint. Et si quand ele kibule kozala, que tu as préparé, Seigneur, oyo bongi sinkolo, ce lieu, c'est la nouvelle Jérusalem, ezali Yerusalem asika, ce pays. Bokayango, cette cité dont Abraham a cherché, Abraham a lukaki, il a erré dans ces pays terrestres. Il a trouvé, malgré tout ce qu'il pouvait avoir sur cette terre, un jour, il quittera ces pays. Et tout sera terminé. Mais il avait en vue un pays, une cité où il pourra vivre éternellement. Cette cité dont Dieu est l'architecte. Il a salué ça de loin. David, tu lui as dit, je te fonderai une maison. Le fils qui sortira de tes entrailles, c'est celui-là qui me bâtira une maison. C'est celui-là qui me bâtira une ville. C'est celui-là qui me bâtira une cité. Éternelle. Qui ne sera jamais détruite. Ni l'incrédulité, ni la désobéissance ne détruiront jamais cette ville. Cette ville dont Dieu lui-même, il est le fondateur. Tu as promis ça à David. Il est mort en attendant que ça vienne. Oh, un jour, oh, mokolo moko, Jésus, tu es venu sur la terre. Dieu lui-même est descendu sur la terre. La ville était en lui. L'épouse était en toi. Comme il était dans Adam. Il est dit dans la parole. Quand tu as créé l'homme, il était homme et femme. La femme était en Adam. Et quand Jésus est venu sur terre, l'épouse était en lui. Bien-aimé Père, je m'en vais vous préparer une place. Je sais que vous allez bientôt terminer votre voyage sur terre. Mais
Je m'en vais vous préparer une place. Je sais que vous aimerez qu'on reste ensemble. Mais vous êtes dans des corps mortels. Moi, je suis dans un corps immortel. Nous ne pouvons pas habiter ensemble. Je m'en vais aussi vous préparer une place, un corps. Quand je l'aurai préparé, je reviendrai. Je vais vous prendre afin que dans le même genre de corps, le même corps dans lequel je suis, vous y serez aussi. Et alors nous vivrons ensemble. Nous n'allons plus jamais nous séparer. Maintenant vous êtes dans la tristesse. Mais je dois partir. Pour vous préparer cet endroit, je reviendrai vous prendre. Oh bien-aimé Père, de savoir que aujourd'hui, c'est que les gens ont salué de moi. Cela est arrivé aujourd'hui. Nous ne saluons pas de loin. Mais nous recevons cela aujourd'hui. Nous entrons dans cela maintenant. Fais-nous entrer dans cette ville. Que cette ville entre en nous. Que nous nous entrons dans la ville. Que la ville entre en nous. Accorde-le, Père. Loin-nous de cette onction. De cette onction qui vient de cette ville. Donnez-nous le désir d'aimer cette ville. Bien-aimé Père, le diable est descendu avec une grande séduction. Il est en train de séduire beaucoup de gens. Lève donne le désir des choses du monde. Les trompants. Alors que la ville est là pour entrer là-dedans, tu nous invites à y entrer. Où il n'y aura plus de larmes. Où il n'y aura plus la mort. Chaque jour ici, nous plairons nos bien-aimés qui sont là. Nous plairons les membres de nos familles. Alors que cette ville est ici, nous ne voulons pas entrer. Nous voulons continuer à pleurer. Nous voulons continuer à souffrir. Bien-aimé Père, réveille nos cœurs. Réveille nos âmes. Réveille nos cœurs. Mets en nous le désir d'entrer dans cette ville. Qui veut entrer en nous? Nous voulons entrer en toi. Accorde-nous cette grâce. Donne le désir à cette assemblée. Donne le désir à ces croyants. Mets la soif du Dieu vivant. La soif de la cité. La soif du pays. Bien-aimé Père, que nous puissions voir les choses de comme des choses passagères, que notre attention soit portée sur les choses éternelles. Fais-nous grâce, Seigneur. Baptise-nous du Saint-Esprit. Pas n'importe quel Saint-Esprit. Que la nuée de gloire entre dans notre cœur. Que la nuée entre dans nos âmes pour nous oindre. Afin que nous devenions des demeures éternelles. Donnez-nous des désirs. Personne n'entrera dans cette ville s'il n'a pas le désir d'y entrer. Personne n'y entrera. On ne forcera personne là-bas. Oh Père, oh Tata, accorde le Seigneur. Enlève le désir du monde. La soif des choses du monde. David, on lui a donné l'eau de Bethléem. Il a pris cette eau-là. Il a jeté sa partie. Bien-aimé Père Céleste, nous pouvons recevoir des choses de cette terre. Nous pouvons recevoir l'argent. Nous pouvons recevoir des maisons. Nous pouvons recevoir tous ces affaires. Ça ne vaut rien. Mais il y a une chose. La chose
choses éternelles. La parole. Niloba. La nouvelle Jérusalem. Jérusalem Asika. Un beau pays. Boka kitoko. Il n'y aura plus la mort. Et pas yopikufe kozalate. Accorde le Père. Nous devons maintenant rentrer à pied. Oh, mais nous attendons ces jours-là. Où nous n'allons plus nous séparer. Nous n'allons plus jamais nous séparer. Accorde le Père. Donnez-nous déjà maintenant les gages de ces pays. Donnez-nous, Seigneur, la grâce d'entrer dans ces pays. Accorde le Père. Comme Abraham, quand ils sont ressuscités, ton prophète dit Abraham et tous les autres sont ressuscités. Ils sont entrés dans la cité. Bien-aimé Père, accorde-nous ta grâce. Tu y es aussi venu. Fais-nous entrer dans cette ville, dans ces beaux pays, où nous n'allons plus jamais sortir, Seigneur. Accompagne chacun. Bénis chacun avec la ville à l'intérieur. Aide-nous à porter ces beaux pays, le temple, le véritable temple de Dieu, ces corps, à porter la parole, mais ça va tomber bientôt. Cette cornée du péché, ça doit tomber. Mais toi, Seigneur, sans le sexe, par la parole, un corps est créé en nous, qui sera le véritable temple. Fais-nous grâce. Donne-le à chacun. C'est ma sincère prière. Marie n'a pas compris. Mais la parole qu'elle a reçue, c'était un temple à l'intérieur. Dieu est entré dans ce temple. Qu'à l'intérieur de ces corps, de ces membres de cette église, qu'il y ait un nouveau corps, le corps parole, ça soit créé dans leur cœur. Dieu va habiter là-dedans pour l'éternité. Merci notre Père. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur des seigneurs. Nous sommes ton épouse. Nous sommes ton épouse. Accorde le Père. Que ceux qui sont malades dans ces corps, tu nous as donné les gages. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous sommes guéris de toutes nos maladies. Donnez-nous les gages par la guérison des malades. S'il y a quelqu'un qui est dans des problèmes, donnez-lui la solution. Donne-lui la bénédiction. Mais la grande bénédiction. Construis cette ville sous la forme de la pyramide. Avec la foi. La vertu, Nanguya, la connaissance, Naboyebi, la tempérance, na la patience, la piété, l'amour fraternel, l'amour parfait à l'intérieur, Nakati, la demeure du Dieu Tout-Puissant. Et les sept tonnerres sont venus pour bâtir ces tabernacles à l'intérieur de nous. Bientôt, Père, nous allons voir ces mystères. Comme Marie, pendant 9 mois, elle portait un mystère. Elle ne savait pas de quoi il s'agissait. Elle ne savait pas ça, c'était quoi. Mais après un temps, le mystère a été dévoilé. Bientôt, Seigneur, ce que nous cachons à l'intérieur de nous, ça va être dévoilé. Nous serons étonnés. Nous serons surpris de voir cette ville, la nouvelle Jérusalem. Accompagne-nous, Père, encore une fois, qu'il y ait un grand désir
pour ce beau pays, pour cette cité, parce que nous sommes à la fin. Que ton nom soit béni, accompagne chacun. Et que tout soit pour ta gloire. Protège chacun. Protège le tabernacle. Protège, Seigneur, ce qui est à l'intérieur de tes enfants. Il y a quelque chose de grand à l'intérieur de protège, Père. Protège et garde. Que tes anges les accompagnent jusqu'à la maison. Accorde-le, Père. Que tout soit pour ta gloire. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est venu aujourd'hui. Nous disons tous. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Matondi, nzamba pambola bino. Oh non, je vous ai pris beaucoup de temps. Akamasi bino tango mingi. Pardonnez-moi. Bolimbi sangai. Demain avec le jeune Lobina Bilenge. À 17h. À 17h.